Nous rappelons à suivre Télécréole. Eh bien, comme nous te promettons, après que nous avons gagné Julio avec Ousvel Jean, nous avons gagné sous côté Baudouat, mais là, sélection, bon, pas toute sélection nette, mais gros mamio, gros tête. Mais dans le temps, nous avons gagné Mac Tête Calé, bon côté, tête, monsieur, bien éclairé. Alors, c'est monsieur Mabdi, monsieur, mon cher, compliment pour le travail que vous avez fait. Et tout de suite, Mac, nous avons gagné. Tout le monde qui présente côté là, on a fait une présentation rapide pour nous. C'est qui est sûr, parce que je n'ai pas de figure côté là. Et je suis là, je connais le sac bon micro là, ben toi pour. Je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs en Créole. Qui suivent nous là, nous connaissons Gary Zizi, et nous avons Adder, et puis nous avons Aura Lickner Junior. En milieu de terrain, sélection U21. Et puis nous avons Edouard Jean-Baptiste, qui est médecin équipe là. Et puis DTN1, qui est directeur technique national en sélection U, qui est Wilner Etienne. Et puis nous connaissons Tête Kaleza, Junior Mingual. Bon, deux Tête Kale, une bon côté. Bon, monsieur Mpakon, qui position joue dans la sélection? Entraîneur. Et nous gagnons. Moi, c'est Oura, capitaine adjoint sélection. C'est la première fois où vous jouez dans Boston? Oui. Ou venez dans Boston? Oui. OK. Et comment tu trouves l'atmosphère, réception dans White Stadium nan, et à sélection Panouan hier samedi que ça passé? Ben, vu avec expérience, vu avec expérience, parce que je suis avec sélection nationale en Canada, donc. C'est mon premier, mais je regarde à lui ou bien l'importance de ce match. Donc, parce que c'est bien. Ok. Nous venons de regarder le football là, samedi. Et comment tu es là tout à l'heure avec nous? Nous avons senti que techniquement, et ça que tu as joué avec nous, que Virginia, et là, tu es un petit trop bas pour la sélection Panou. Est-ce que vous senti même genre? Bon, m'adapte de tout peut-être. C'est sentiment fanatisme, mais c'est une équipe, c'est une bonne équipe. Mais nous-mêmes, nous sommes meilleurs. Donc, nous faisons différence là, c'était par motivation et coach Wilner, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui importance ce match à gagner. D'ailleurs, c'est l'objectif là, c'est aller participer dans le jeu francophonie. Donc, nous avons dit que nous ne pouvons pas aller à l'excès, mais là, nous venons comprendre après 25 ans, nous ne pas jouer dans le stade, etc. Donc, nous disons, on passe le volume là. D'ailleurs, le premier mi-temps fini à 0. Donc, c'est par rapport avec consigne, coach Wilner, vestiaire là. Nous venons dire que nous, non, et il faut que nous fassions l'équipe là comprendre que nous sommes ici et c'est si nous avons mieux talent. Mm-hmm. Et coach Wilner, pour sélection en bas 20 ans, et comment préparer, monsieur, ça, techniquement pour ne pas gagner trop? Pour pas gagner trop pour elle parfois tant que monsieur là monsieur que nous passé ils ont même actif on est qui font dans sélection et puis tout à l'heure là ils sont ville alté dos trouver dans sélection A déjà mais comment préparer l'équipe pour pas gagner sentir et level yo ta monter plus haut pour eux? Non, au contraire, t'as l'air de deux invités te gagner, t'as parlé de ça. Non, nous on tout ton projet, nous on tout ton projet d'ailleurs. Ça fait 2 ans, nous dotons la fédération maintenant dans l'académie. Une académie qui recevait Timounio à partir de 13 ans. Ensuite, Piba, on va avoir les grassroots, football 6-12 ans, que nous faisons. Et à travers grassroots, nous commençons à suivre Timounio dans le championnat national, filles et garçons. Et puis, les meilleurs talents, nous organisons un championnat I13, d'ailleurs, qui est en cours là, pour le fait. Ensuite, nous recevons, nous. Fait au jouer, yo entraîner, y a l'école, yo travaille sous l'œil des entraîneurs. Bon, année ça a gon bah spécial yo fait au niveau CONCACAF. Là, il me pensait que ça pourrait le fait que tout pays dans zone ça a gagné plus de chances dans éliminatoire moins de 17 ans puisque
yo fait mettre sous pied un championnat U15 dans toute Caraïbe blanc. D'ailleurs nous même nous participer, n'a bien mené là-dedans. C'est vrai que le premier match ti monsieur pas de expérience, yo perdu 4-0 score lourd, mais nous rattraper nous, maintenant nous à 9 points. Et je pense que nous avons un match, nous allons jouer contre Salvador, qui a bonne chance. Et c'est notre optique, ça, nous allons promouvoir le groupe ça, pour venir U17. Ensuite, nous avons déjà U20 déjà constitué, puisque si monsieur qui était Panama, il est déjà là pour U20. Monsieur Sao, lui-même, il a beaucoup de cycles olympiques de 3 ans, il est U21. Donc, il est là pour juste 2016. Et tout de suite après 2016, il y a senior. Et ensuite, nous avons déjà gagné l'autre catégorie de nègres qui pour par intervalle. Alors ça, c'est pour parler à un problème qui était posé dans le temps. Parce que le football, là, chaque équipe finit éliminé dans U17 ou bien U20. On dit, mais senior, ils disparaissent. Mm-hmm. Pas qu'on suivi, pas qu'on... Donc, je pense que dans le programme que nous gagnons au niveau de la direction technique nationale, au niveau fédération, maintenant, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Et on voit que vraiment, vraiment, vrai, pas gain vide. Et je souhaite que... information ça a public la connaît parce que yo méconnaît ça n'a qu'à fait au niveau fédération actuellement. Alors tu demandes des docteurs parce que sans santé pas qu'à un footballeur non. Et donc ou même personnellement qui ça ou qu'a dit qui bon plus problème lors en voyage comme ça avec sélection pas non au point de vue santé monsieur préparer au manger physique yo et là au prend coup. Bon, problème là c'est voyage tout simplement. Mm-hmm. Ça veut dire que j'en ai voyagé tout simplement. Ok. Parce que bon, fédération bon, fait tout effort possible et imaginable pour le monter sélection. Yo. Mais par exemple, nous avons une Boston là, nous obligés de passer par Saint-Domingue, nous faisons journée en Saint-Domingue, dans demain matin, nous allons à l'aéroport bien bonheur pour nous tendre un avion qui a dérapé 3-4 heures après pour nous arriver à New York. Qu'on y a pour nous prendre un bus, même maintenant pour nous venir ici, pour arriver ici de bon 5-6 heures du matin. Mm-hmm. Alors, procurer des équipements médicaux pour oui. Sélection, ce n'est pas un bagage qu'on souffre. Non, nous pas souffrir. Nous avons tout ça, nous avons besoin depuis nous demander, depuis nous faire une liste, nous demander, nous jouons. C'est ça. Et jouer au suivi, même j'entends des déterminants, jour que le 13, le 15, le 17, toute équipe ça, il y a un staff technique, il y a un médecin là-dedans, il y a un physiothérapeute là-dedans, il y a un masseur là-dedans. Donc, là, elle vient jouer, nous, pas vivre dans le monde, nous prenons la rue, qui vient avec tout choc, les souliers, c'est là qu'on va le découvrir qu'il y a des grands problèmes. Donc, c'est même gens, donc, ils ont monté, ils ont monté. Si, monsieur, depuis qu'on a commencé, c'est moi-même qui avais, on a dit, nous fait Porto Rico, nous champions, nous fait Jamaïque, nous champions, et puis, nous avons fait la finale là, Mexique. Moi, quoi que nous avons dit, dans la télévision, Jean-Mexique, nous avons passé. Donc, c'est eux-mêmes qui l'ont. Hein? Et c'est le même genre déterminant esprit qui a monté. Donc c'est tout ton staff qui travaille. Il y a un nutritionniste, il y a un manger en dedans pour eux, il y a un loisir pour eux. Donc on a essayé ouais, exactement qui côté nous arriver avec le football, à quel niveau nous sommes. Okay. Donc pas de problème réellement. Si on prend pour l'embargo, aucun problème du tout. Si quoi a dépassé moi, un grand débat, je ne peux pas faire ici. Je ne peux pas faire appel à un spécialiste ici ou bien au monde. C'est parce que nous avons des nous-mêmes, nous n'avons pas fait au niveau médical. Mais oui. Donc. Ok, donc, tu nous rappelles que l'Union internationale Soccer League l'invite le public là vendredi demain, là, 23 à 8 heures du soir. Et Haïti a joué avec New Jersey All-Stars. C'est dans Providence, Rhode Island, 201 Mercer Street. Alors, même qui gagne un amour qui Rhode Island, qui Connecticut, qui mène New Hampshire. Et au pape fanyen tout vendredi, al nan matcha parce que ça c'est trois quêtes là la paix vendredi parce que c'est dimanche chay la pli, même en White Stadium. Et c'est ça qui fait ma petit coup de pied directement sous assistant technique là, rapidement pour le dire, est-ce qu'on pare pour dimanche parce qu'on par contre qui sélection va le jouer. On t'a dit que on parle déjà avec le coach là déjà, mais gon stratégie déjà. Bon, si c'est pareil, nous parle déjà. Que, nous parlons. Oui, nous parlons. À 100%? À 100% nous parlons. C'est ça? Oui. Ok. Donc, Gary, donc, ou même, on connaît le travail pour faire, li toujours à faire, ou à continuer à faire, et ou pas faire bac. Moi, j'ai fait bac. C'est ça. Mais qui stratégie, motivation, et au point de vue presse là, pour dimanche demain là, pour White Stadium, il y a 10 000 haïtiens là-dedans? On a fait tout effort possible, nous. Tout d'abord, bon, je vais nous faire monter la carte, même salut.
Et même salut public là. Mes amis, excusez-moi, salut nous. Comment nous y est? Tout va bien en forme. Joël, c'est un plaisir pour moi, Pierre-Paul et Joas, et m'apprécie en pile, tu me toujours dis Maxa, moi mes travaux. Et travail de presse offert et l'immobilier fait. Ouais, m'a suivi trace où. Ben, les chefs vont être blanche et puis les chefs vont le petit petit à avancer. Obi a suivi grandette. Tout d'abord, moi c'est deux messieurs ça, deux gros sur pour deux gars sur cette vidéo tout à l'heure et Logan est né ça yo et au gars on est qui compte football, qui tient au football, qui a parlé de football. Au gars et Julio Midi, on est qui travaille pour faire football évoluer, mon cher. Là, on est que invité pour permettre jeunes ça yo jouer une prend poule dans mes next ça yo, nous apprécier ça en pile. Et mon cher, nous prêt. Nous commençons à caser toute radio qui est pas ici à toute télévision. Depuis matin là nous dans radio télévision on a fait bruit et nous espérons que travail ti monsieur vinn fait babo ici là nous sûr et certain peuple après le sorti dimanche si veut et yo commencé mandé nous quatre qui fait jalousie qui dit nous yo pas voye quatre pour yo bouton yo pas voye quatre mais n'a voye quatre tout partout pas inquiété nous tout bagarre fait ça veut dire que nous fait tout effort possible et Pierre Paul pour en dans foule avec moun et dimanche si veut nous dit à 10 moun yo ça déjà vini bonheur match a commencé bonheur de façon pour nous à la caille nous bonheur. Ça veut dire que Jean Bagayoko était passé avec un pile discipline. Moi j'aime mettre bravo pour nous, mettre chapeau devant haïtien pour bon travail que me théo était fait et samedi là. L'aime nous appeler mon cher c'est chapeau bas haïtien c'est bon bagaille haïtien mon sérieux. Me souhaite que dimanche n'a fait plus bon bagaille toujours. M'attend nous dimanche si je veux. L'aime dit nous ça, youn dit l'autre, mes parents, mes pas maman, papa, petite, ménage, madame, tout le monde envahissant dans moi parce que monsieur dit monsieur seul bagaille regrette. Yo regrette pas grand pile monde dans match. C'est les grands pile monde, il y a pas trois goals seulement t'a baillé. Ah c'est ça me dit monsieur. Monsieur dit moi il y a pas trois goals seulement t'a baillé. Nego dit grand pile goal qui t'a baillé. Mais tu bravo toi aussi ton petit. Il y a tant de bons bravo. Dégagez-vous, vini parce que équipe n'a pas joué là, son gros toto équipe oui, il est le Portugal. Attention, nous pas qu'à jouer avec elle. Dégagez-vous comme Jean-Jacques, vini applaudir, vini chauffer équipe là et puis me souhaiter que monsieur yo a satisfait et y a tourné avec un pile goal pour bail. Équipe là le jeudi merci. Rapidement. Et pour nous éviter un bouteillage dimanche, pour les gens qui ont envie de gagner 4 kounia là, qui côté pour vous? ABS. Bon, ABS est juste en Somerville, mais. C'est ça. Pour nous aider dans la zone Boïsia là. Sauf dans la zone Somerville là, passer dans ABS, dans ce qui me croit, si je ne me pas trompé, c'est 490 Broadway. Et puis, c'est ça. Et puis, aller dans Highland Cuisine, soit dans Avra. Et dans Everett, Mickey Design et Cheese Me en Barber Salon. Et puis également, on est capable de passer dans Lewis Convenience Store qui est dans Molden, dans High Park. On est capable de passer dans différents stores, dans la boutique Toutazen. Et puis nous gagnons également Cordon Bleu Restaurant. Dans Marapen, nan, ou capable de passer dans cam tout les camions, ça sous Marapen nan, et puis ça sous Blue Island tout et puis et Unitransfer et puis avec un pilote en tant que Sainte Bellevue ou avec Junior et puis demain n'a bay ticket dans Bon Appétit en pile monde demander Bon Appétit ou a jeune ticket là-dedans et puis il y a un pilote store encore nous pas gain liste là dans menu que nous service ambulant par exemple si moi l'ole est-ce que me dit on besoin 10 tickets dans Brockton est-ce qu'on peut le faire exactement numéro téléphone là c'est 857-204-4411 857-204-4411 relim n'a porter ticket pour Marc rappeler monde qui suivre là encore qui raison folie ça gain qui est capable de vivre en réalité demain et que ce n'est pas pour folie Mac Lapierre, c'est pour folie nationale. Bye raison. Qui folie nous-mêmes haïtiens, c'est ça. Et bon, cela dit, objectif dans le projet, il y a un paquet d'ambitions. Et il y a un bail que nous allons parler avec DTN, c'est où est-ce que nous sommes capables d'établir un championnat interrégional au niveau des jeunes dans le pays d'Haïti, dans tout pays qui a fait football, gagné de 10 ans à 18 ans. Et puis, objectif nous encore, c'est bâtir en académie football et puis encore bâtir un stade au niveau international. Il y en a un plus gros objectif là encore, c'est ouais, si monsieur Yves Sayo a pu représenter Haïti dans la Coupe du Monde 2022. C'est ça. Et bon côté, maintenant là sur le bord droit, moi c'est co-host, moi c'est partenaire sur Télé-Créole. Donc lui-même, il fait mes bouches là depuis longtemps parce que l'a suivi bagaille de près. Mais une expérience là, c'est notre tête grand mon allié. Mais qui dernier coup de pont rété pour dimanche demain là pour pour faire mon vini. Bon, tout le monde qui est habitué à suivre Télé-Créole chaque samedi matin,
dans le festival créole parce que mon pile fanatique Radio Concorde émission et rétrospective qui qu'on a suivi d'ailleurs mais tout le monde ça au débarquer vient supporter match parce que nous besoin support tout le monde et c'est ça qui va l'encourager plus travail pour que moi ben nous belle émission parce que nous connais nous une émission rétrospective tout nous ba chaque samedi matin 9h-10h sur même chaîne Zanouya parce que tout le monde ça va suivre là et dans le centre Belleville, nous sommes capables de venir prendre 4 ans même parce que quand tu es un petit gens cher, nous descendons à 20 dollars seulement. Nous descendons. Et 50 dollars pour le deuxième match, nous descendons à 20 dollars. Tout le monde nous met venir prendre 4 ans même. Et venir supporter la sélection parce que nous avons besoin et, ou même venir non seulement et pour bail support et avec, pour remarquer que nous avons vraiment. Et besoin stade parce que plus de 20 ans passé pense qu'on y a avant m'entrer dans toute cause on t'a et profiter remercier tout et Marie Saint-Fleur et Linda qui fait go et forza qui permettent avec persévérance Gary Zizi et Max Durena bon retirer tête moi qui permettent qu'on y a nous gagner moyen pour que nous recevoir sélection et m'espérer que avec public ça cap venir dimanche nous capable gagner un autre et travail comme ça qu'a fait avec prochaine sélection quoi qui capable venir. Alors moi mais faire ça personnellement moi mais mander avec secteur religieux un petit chance s'il vous plaît. Et dimanche nous tout connaissons dans matin merci au fait et jusqu'à 3h30 merci au fini 4h merci au fini. Bon même le merci au ta fini à 5h. Exiger congrégation noire pour les aller porter support patriotique dans White Stadium qui dans Dorchester. Dans bon monde qui besoin qu'on White Stadium sous besoin aller. Fait ça les pooling entre nous. Par exemple, une saute l'église là, si pasteur a gon 20 offrir 20 ans avec tout monde qui veut aller dans White Stadium. Et si au pas gain cob, regardez qui monde qui gain 4 fois 5 dollars dans poche là pour payer pour un grain compatriote. L'essentiel c'est que nous voulons pour nous montrer avec sélectionner nous yo ti monsieur ça yo qui a représenté couleur nationale nous que nous avait yo là yo dans Boston nous avait yo là yo dans Rhode Island n'a pas avait yo là yo vinn dans Boston et n'a pas avait même le y a participé dans tout l'autre pays alors gon rumeur qui dit c'est alors c'est rumeur parce que m'bawel que sélection par contre c'est soit entraîner il gagne pour aller participer dans un championnat qu'a fait juste en France avec un petit l'autre nation encore au cabanon éclaircissement juste ça moi job moi aller au-delà de occuper me des affaires sélection nationale parce que nous gagne volet club nous gagne volet formation nous gagne football féminin actuellement Abdou une sélection féminine qui retourne Saint-Domingue qu'a joué éliminatoire première partie première phase avec Ghana Grenade et République Dominicaine non. Si vous avez un objectif pour aller dans le jeu francophonie, qui est une étape dans le cycle olympique. Parce que vous avez un jeu francophonie, vous avez un tournoi des Grandes Antilles, un tournoi Centrafrique et Caraïbes, un jeu panaméricain et un tournoi majeur qui est éliminatoire, le jeu olympique 2016. Dès que vous passez, vous avez l'Olympique, vous avez déjà fini un cycle. Donc c'est une période de 3 ans. Donc effectivement, vous avez raison, vous venez là dans la tournée. C'est en vue de la préparation des Jeux de la francophonie. Qui quand même un jeu important puisque il y a des équipes de d'Afrique et il y a sous l'œil donc paquet d'argent de joueurs qui quand même on pas jamais compte ça qu'a tombé. Oui. Donc effectivement tu as raison donc c'est pour ça yo vinn un petit peu préparer le tournoi ça là. Oui, oui. Donc après que nous finissons avec dimanche dans Boston, n'a pas Haïti direct. Haïti direct, yo voilà Haïti le 27 mais c'est sûr que yo pas en temps Haïti puisque le 3 après parti pour aller en France parce que rien de vous. Le 5 pour jouer contre Sénégal. Sénégal, le 5 septembre. Ouais. 5 septembre. Bon, et Marc, je vais commencer par le dernier mois pour nous, parce que nous avons fait rapide. Bon, dernier mois, c'est ce que nous avons encore dimanche. Dimanche, ce n'est pas seul match qui gagne. Vendredi, si je veux, à 8h du soir, dans Peace Memorial Stadium. 201 Mercer Street, dans East Providence, nous avons tout le monde. Et puis, Goloa. C'est vinn porter support nous à petit monsieur qui c'est à petit monsieur Sao qui c'est avenir football là dans pays d'Haïti pour nous dans qui façon nous cap faire que yo content l'air point avion pour retourner dans pays d'Haïti. Bye Gary Dion bye moi pour 20 secondes.
20 secondes, m'a dit 5 là dedans seulement, m'a dit en pile. M'a tant tout le monde à la ronde bade. Habillé rouge et bleu s'il vous plaît. Mettez correct drapeau dans mon chapeau dans mon. Prend tout si moun yo net maré au dehors, mené au vini pour venir consacrer l'Haïti là parce que l'on fait ça, pas oublier c'est pour demain. Attention, m'a tant nous. Pas faire mon ton. Si monsieur a tant nous va le bailler équipe dans paquet de goal. Ou elle c'est équipe ça, nous va le bimen bien bimen. Alors moi monsieur remettre le micro 10 pour la 15 secondes mais m'a dit monsieur pour parler pour moi au nom tout coéquipier parle. C'est avec plaisir avec joie. Je vais te parler. On va te parler. C'est avec plaisir avec joie et content pile en pile ça qui arrive là et maintenant toute public haïtien non. On est à bien côté nous et nous pas faire. OK, donc égal parler pour coéquipier yo. Bon et dans nos sélections nous voulons annoncer avec chaleur une fois encore un prochain match et espérer que plus monde, espérer après match là même j'aime dire le Canada bon ban là pour danser parce que l'équipe ça m'a quoi n'a pas kembe. Donc nous va le bailler. C'est ça. Donc dernier mot. Dernier mot c'est que nous bien content de retrouver nous dans Boston. Et ça permet nous un paquet de compatriotes nous qui nous parlons depuis longtemps, qui ont 20, 30 ans, tant pour Roro, tant pour Clare Auguste, etc. Ça permet nous. Et puis, les finis, ça permet nous tout porter un message fort à la communauté Boston. Okay. Et nous t'a espéré que l'autre communauté a fait le même geste que la communauté Boston a fait. Okay. Et nous-mêmes, nous convions tout le monde. Faut faire rapide, donc, parce que nous convions tout le monde à la ronde badère, puis nous venons, en surprise que nous quittons pour dimanche. C'est ça, bah, le directeur a dit on va répondre. Non, moi, très simple, je salue M. Soka Ligio, je remercie vous, je remercie nous tous le fait que nous soyons là. Des amis, kakou, midi, ou, que vraiment, moi, midi, quelques années, hein, depuis dans Charleston, où on me dit le dernier match qui est sélection de contre Avadlan. Donc, je pense que c'est une belle initiative. Je souhaite que. Bon, moi-même, là, pour me battre, monsieur Conseil, n'a pas bailli pour que monsieur satisfait le public. C'est ça. N'a pas dit Junior. N'a pas tout le monde. C'est ça. Téléphone pour nous relayer 857-204-4411. N'a pas dit tout le monde merci et à le côté support nous dimanche prochain. Quand seulement une parfaite cohésion vous assure une heureuse conclusion.